Coucou, on se retrouve pour un vlog de la SFM7. J'espère que vous allez bien. La SFM7 là c'est dans 2 jours parce que personnellement j'y vais que le dimanche, le samedi je vais aller en ville à Paris. Et du coup, je vais vous faire un petit peu mon vlog du coup de Paris plus SFM7. Et j'ai trop hâte en fait, j'ai trop hâte. Là, c'est ma coiffure que je vais faire, du coup pour le dimanche. Et ma tenue, je l'ai déjà postée sur TikTok si vous voulez voir. Et du coup, là, j'ai trop hâte, mais il faut que je fasse mon sac. Et du coup, bah, je vais faire mon sac. Du coup, là, je viens de faire mon sac qui est genre là-bas. Et il va falloir que j'aille au lit. Demain, je me réveille vers 6h30 et on a 5h de route jusqu'à Paris. Et bah écoutez, à demain. Bonjour, il est actuellement 7h, on est censé partir à 7h mais personne n'est prêt, ça m'énerve. 5 hours later. Du coup là on est arrivé, on va aller au musée Marmottan de Paris pour voir l'impression soleil et le vent de Monet, parce que je dois faire un truc sur le brevet là-dessus. Et du coup là on va prendre le tram et tout, et je vous retrouve là-bas. Coucou, du coup là on est sorti du musée et on fait un petit peu les boutiques comme vous pouvez le voir. Et bah voilà, là on fait la queue pour aller voir le magasin Louis Vuitton et tout. Et après on va aller chercher des chaussures d'été pour moi et ma soeur. Et ouais voilà. Là on est chez Brandy Melville. C'est génial et on va se prendre un petit truc au bar qu'ils ont partout. Et bah voilà. Là on est chez Zara et on fait, enfin je fais la queue pour faire du siège. C'est long. On se balade et ben on va essayer de trouver à peu près où c'est. Genre de repérer avant demain matin, mais ça devrait aller. Coucou, du coup là on est à notre appart et je serai à 5 minutes bah, du lieu de l'événement. Et là j'ai pris ma douche et bah voilà quoi, je vous retrouve un peu après. Du coup là il est 22h30 et je vais aller me coucher et demain je me lève à 7h30, voilà. Du coup là les gars, j'ai pas eu le temps de vous filmer et tout parce que y a d'autres gens avec moi, genre il y a ma mère et ma soeur qui dorment dans la chambre, du coup je pouvais pas vraiment parler ouvertement. Et du coup là je sors, je suis dans l'ascenseur et je descends et je vais me diriger vers l'événement. Voici mon make-up et ma tenue. Enfin je vais enlever ma veste mais là ça caille un petit peu. Du coup là j'ai trop hâte. Du coup là je suis en train d'arriver genre très très bientôt. Les gars, je viens de sortir de mes photos avec Raphaël et Noah. Je suis choquée, je suis trop contente, ils étaient trop gentils. Du coup, je vais vous mettre après
bah, directement à quoi c'est, enfin, comment elles sont les photos et... Du coup, là j'enchaîne avec le panel Eduardo. J'ai très très hâte. Et je suis tout devant, genre c'est la meilleure place. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Du coup, là je vais essayer les arcades. Je sais pas ce que ça donne, on va voir. Avec voilà, et m'attend du coup. Il y a énormément de monde. Ok, du coup, là je vais chercher à manger au McDo parce qu'il y a un McDo juste à côté. J'ai pas envie de dépenser trop d'argent dans les stands de People Commons qui coûtent très très cher. Et ouais, du coup, je sors du TikTok et voilà. Du coup, là je suis au McDo et j'attends ma commande. J'ai récupéré ma commande, je suis arrivée avant qu'il y ait une queue carrément pour aller au McDo. Du coup là je vais retourner à la convention et je vais aller manger, je vais me poser avec mes potes et voilà. Du coup là on est à l'espace Famille Monde, qui Julia qui est en train de faire son petit mot, moi j'ai déjà fait. Et on voulait écrire dans le cahier de Noah mais en fait il n'y a plus de place. Du coup bah on a écrit un truc chez Liv parce que je rappelle non plus il n'y a plus de place. Was your heart on the line? I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Coucou, du coup là je sors de la convention parce que je dois aller en voiture à la maison pour faire mon brevet demain. Du coup faut que je révise et tout et j'ai de la route donc je pouvais pas rester pendant toute la convention. Mais c'était génial et je vous retrouve dans la voiture pour en parler un petit peu plus. On en parle que genre là ça fait presque, enfin ça fait bientôt une semaine, enfin deux semaines même, j'ai complètement oublié mon vlog. Je vais faire une petite appréciation sur les acteurs. Donc j'ai fait une photo avec Raphaël Luce et Noah Schnapp. Et vraiment ma photo préférée de tous les temps, de toutes les conventions, de toutes les photos que j'ai faites, c'était celle avec Raphaël Luce. Je vais vous la montrer juste après. Et Noah Schnapp était super gentil aussi mais j'avais pas pu faire ma pause. Pour les prochaines conventions, je ne suis pas sûre d'en refaire, étant donné que j'ai assez dépensé là-dedans. Je réfléchis encore, rien n'est sûr, mais pour le moment, je ne pense pas. Mais pour tous ceux qui vont à la CFMUT, bah, amusez-vous. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé le vlog et j'espère qu'il vous aura autant plu que les trois autres que j'ai fait. Encore merci beaucoup à tous les gens qui sont venus prendre une photo avec moi, ça m'a fait super plaisir. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fought. Bisous.